on se rend compte aujourd'hui que les services de Bercy avaient alerté les ministres et donc le président du dérapage qui se profilait, du dérapage qui se confirmait. Et oui. pendant des mois et des mois, les ministres ont ignoré les notes qu'on leur faisait passer. Oui. L'Élysée a refusé de voir la réalité en face. Le rapporteur général du budget au Sénat... Ça s'appelle forfaiture ? Attendez, il y a un côté pénal. Il y a peut-être une saisine de la CJR qui est dans l'air, parce que le rapporteur Husson du Sénat de la République. Et le président de la Commission des Finances, tous les deux ont dit on nous cache des choses. Bercy a dit non, non, on ne peut pas vous en parler. Et le maire et d'autres ont dit il faut un projet de loi de finances rectificative au printemps, oui. parce que ça dérape. Avant les européennes. Et l'Élysée a dit non, parce qu'il y a les européennes qui arrivent. Donc pendant six mois, on a dissimulé la réalité aux parlementaires. J'ajouterai. C'est très grave. J'ajouterai un mot.